نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من تساءلون به والأرحام إن الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 7 Jumada al-Thaniya 1429 de l'Hijr, ce qui correspond avec le 11 juin 2008. Nous sommes toujours avec l'Aqid al-Wasitiya. Nous sommes dans le 14e cours du deuxième tome bi'idna azzawajal. Demande Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui nous aide jusqu'à ce qu'on termine ce livre bi'idna azzawajal. Naam. Donc, inshallah ta'ala, c'est naam, le titre l'élévation. L'élévation d'Allah azzawajal. ce point-là est très 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 important dans la aqida. Le fait que le musulman sache qu'Allah Ta'ala est élevé, élevé et établi au-dessus du trône, c'est l'une ou bien l'un des grands piliers de la aqida de Ahl-Sunnah ou Jama'a. Toutes les sectes égarées, sinon, sauf quelques-unes, n'attestent pas cet attribut d'Allah Azza wa Jal. Ils disent que Allah Ta'ala n'est pas élevé au-dessus du trône et n'est pas établi au-dessus du trône, mais que Allah Ta'ala, pour eux, se trouve partout. Car, prétendent-ils, si tu dis, comme Allah Ta'ala a dit, qu'il est au-dessus du trône, ou comme son messager alayhi sallam a dit qu'il était au-dessus du trône, ils prétendent que tu l'as fait ressembler aux créatures en lui donnant un endroit. Tu lui as donné un endroit où est là, il est au-dessus du trône. Donc tu lui as donné un endroit, donc tu es devenu kafir et tu es devenu anthropomorphiste, comme ça disent les égarés. C'est-à-dire, ils veulent faire croire aux gens qu'ils connaissent l'islam mieux que Allah Ta'ala, mieux que son messager. Ils veulent faire croire aux gens que nous, on connaît l'islam mieux que Allah Ta'ala. C'est pour ça que Allah Ta'ala a posé la question dans le Coran. Il a dit, قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. Allah Ta'ala a posé la question. Il a dit, dites, est-ce vous les plus savants ou bien Allah? C'est donc une preuve qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont plus savants qu'Allah Ta'ala. Naam. Et cela, ces sectes dont à la tête les Ash'ari et les Habash bien sûr disent que Allah Ta'ala, on ne peut pas dire de lui il est au-dessus du trône, sinon on l'a mis dans une place, on l'a mis dans un côté. C'est pour ça qu'ils ouvrent des salons qui les appellent Allah Ta'ala est sans endroit, ni je ne sais plus quoi ce qu'ils disent, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ils disent Allah Ta'ala est sans endroit. Comme ça ils vont te mettre des doutes. Tu vas dire, subhanallah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'Allah Ta'ala est dans un endroit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'Allah est dans cette partie de l'univers? Donc, mais ce que tu ne sais pas, c'est que par là, ils veulent dire Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. C'est pour ça qu'ils disent sans endroit. Mais, ils ne peuvent pas dire comme ça carrément Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône à des étrangers comme vous, car ils vont vous faire fuir de leur salon. Ils ont peur, s'ils écrivent Allah n'est pas au-dessus du trône,
personne ne va entrer dans leur salon et va dire qui c'est cela. Subhanallah, ils refutent le Coran et la Sunna. Alors, ils te viennent d'un autre côté, naam, et ils mettent l'appât dans l'hameçon. Comme quoi, Allah Ta'ala n'a pas d'endroit. Tu vas dire, c'est vrai, Allah n'a pas d'endroit. Donc, c'est une room, c'est Allah, mashallah, c'est une room, mashallah, elle dit qu'Allah n'a pas d'endroit. Tayyib, qu'Allah Azza wa Jal nous offre notre din. Tayyib. Al-Sunnah al-Jama'a soutiennent qu'Allah Azza wa Jal est réellement au-dessus de sa création. Et pour cela, ils se sont basés sur des arguments tirés du Coran, de la Sunna, du consensus ijma', de la raison et de la nature par le fitra. Donc, Al-Sunnah al-Jama'a, nous allons nous baser pour prouver que Allah Ta'ala est au-dessus du trône et que Allah Ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est le plus grand. Naam. On va quoi? Le plus élevé, on va se baser sur le Coran, ensuite la Sunna, ensuite l'Ijma', le consensus, ensuite la raison, ensuite la nature, ce qu'on appelle le fitra, bi'idhnillahi azza wa jal. Premièrement, on va parler du Coran. Naam, du Coran. Alors sachez que les dalils et les preuves qui se trouvent dans le Coran et même dans la Sunna, sachez que les dalils, les preuves sont venues de diverses façons. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, tantôt, il exprime son élévation par le mot élévation, tantôt par le mot dessus, tantôt en évoquant la descente des choses à partir de lui, et tantôt en mentionnant qu'il y a des choses et des êtres qui montent vers lui, et tantôt en disant comme ça carrément qu'il est dans les cieux. Premièrement, on va commencer premièrement par yani, que Allah Ta'ala a employé le terme et le mot élévation, hein, et qu'il parle de l'élévation, c'est-à-dire qu'il est l'élevé. Vous connaissez sûrement tous le verset de Ayat al-Kursi. Sûrement que tout le monde connaît le verset de Ayat al-Kursi. Allah Ta'ala dit vers la fin, ou bien vers la fin, non, la fin du verset, وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Il a dit وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Le Baqara 255. En français, son repose-pied, c'est-à-dire coursier, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Et il est le très haut, le très grand. Naam. Je vais essayer de le coller ici, Inch'Allah Ta'ala. Son repose-pied, coursier. Attention à ceux qui disent que le coursier, c'est le trône. Le coursier, ce n'est pas le trône. Le coursier, c'est le repose-pied. Son repose-pied, c'est dommage qu'il y ait beaucoup de livres où on trouve que lorsqu'ils traduisent, ils disent le coursier c'est le trône. Donc son repose-pied déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. C'est où ici la preuve? Il a dit il est le très haut. Et très haut. Non. Ils disent il est le très haut. C'est-à-dire, ma'nawiyen. Qu'est-ce que ça veut dire le très haut pour eux? Le très beau. Naam. Le très miséricordieux. Et comme ça. C'est pour ça que ils sont connus pour être les déformateurs des textes. Ils déforment les textes. Naam. Mais Al-Sunnah al-Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il est le très haut de par son essence, de par son entité. Naam. Et il est le très haut de par ses attributs aussi. Naam. Donc vous voyez le verset très clair, il a dit et il est le très haut. Il a dit et il est le très haut. Nous tous, un autre dalil, nous tous, quand on fait la prière et quand on se prosterne, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdih.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. وبيان بيان سولمون سبحان ربي الأعلى سا سوفي. سا فدير كوا يعني tu glorifies le nom de ton Seigneur qu'il est le Très-Haut. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Je glorifie mon Seigneur le Très-Haut. Le Très-Haut. نعم. Maintenant, nous allons passer à deuxième. Nous avons vu que premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, nous avons vu le verset et que dit celui qui fait la prière, il dit que Allah ta'ala est le Très-Haut, il l'atteste. Deuxièmement, vous allez voir que Allah ta'ala emploie le dessus. Naam, Allah ta'ala emploie le mot le dessus. Il a dit dans le Coran, وهو القاهر فوق verset 18. Je répète, وهو القاهر فوق عباده. نعم. وهو الحكيم الخبير. Ça donne en français, c'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Où est la preuve ici? Où est la preuve? نعم. La preuve, c'est qu'il a dit, c'est lui le dominateur. Suprême sur ses serviteurs. Il n'a pas dit c'est lui le dominateur. Non. Il voulait montrer naam, son élévation. Il a dit c'est lui le dominateur suprême sur yani, au-dessus de ses serviteurs. Au-dessus de ses serviteurs. L'élévation. Naam. Il a employé aussi ça lorsqu'il a dit dans la sourate 16, verset 50, il a dit, en parlant des anges, « يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » Écoutez, Allah Ta'ala a dit, en ce qui concerne les anges, il a dit, « Et ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. » Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Regardez pourquoi Allah Ta'ala n'a pas dit ici s'il voulait. Naam, il se serait suffi à dire ils craignent leur Seigneur et font ce qui leur est commandé. Pourquoi Allah Ta'ala a ajouté ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux? Quand il parle des anges, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Naam, pour te montrer que Allah Ta'ala est élevé. Élevé. Pour que tu ne dises pas comme les Habashis, il est partout. Je dis non, Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Je dis pas Allah Ta'ala est partout. C'est son savoir, sa science qui est partout, pas lui. Lui, Azza wa Jal, il est au-dessus du trône. Comme il l'a dit dans 7 versets du Coran. Et les délits qui vont venir maintenant, Inch'Allah Ta'ala. Troisièmement, donc, premièrement, il cite l'élévation. Deuxièmement, il cite le dessus, plusieurs versets, que des choses descendaient de lui. Naam. Qui de vous ne connaît pas le verset qui dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » On a fait descendre le Coran « fi laylatil qadr » la nuit du destin. Qui ne sait qu'on ne connaît pas ce verset ?« Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Pourquoi il a dit Anzalna, on l'a fait descendre là-bas. Il faut qu'il y ait haut, ensuite bas, pour qu'il y ait une descente. Si on est les deux sur le même niveau, il n'y a pas de descente. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dans le haut, lorsqu'il soit dans le bas, celui qui est dans le haut fait descendre à celui qui est dans le bas. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Et écoutez ce qu'ont dit les apôtres à Isa alayhi salam à Jésus. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Lorsque Allah Ta'ala a dit d'eux, id qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan min as-sama'? Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ?» Fasse descendre,
Donc, les apôtres de Jésus, alayhi salam, les apôtres, ne sont pas des Habash. Alhamdulillah, ce n'étaient pas des Habash. Car ils savaient que Allah se trouvait au-dessus des cieux. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Jésus, est-ce que Allah Ta'ala peut descendre? Peut descendre, n'am, yani de nous, une table du ciel. D'autres n'ont pas dit à Jésus, est-ce que ton Seigneur peut nous donner, n'am, peut nous faire venir. Ils ont dit non. Est-ce qu'il peut nous faire descendre? Faire descendre. Ils reconnaissent dans leur cœur l'attribut de l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Ils reconnaissent l'attribut de l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Quatrièmement, Allah Azza wa Jal, ce sont que des exemples, bien sûr. C'est pas tout, hein. C'est juste pour donner quelques exemples. Quatrièmement, Allah Ta'ala a cité la montée des choses vers lui. La montée des choses vers lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui montent vers lui. Des choses qui montent vers lui. Il a dit dans le Coran, dans la sourate 32, verset 5, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui, monte, le verbe monter, monte vers lui, en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc Allah Ta'ala a cité ici que l'amr, l'affaire ou bien l'ordre, qu'est-ce qu'il a, ces choses qui montent vers l'azur. Pourquoi elles montent? Pourquoi elles ne vont pas, ces choses ne vont ni à droite ni à gauche? Pourquoi elles ne vont pas vers le sol? Pourquoi elles vont vers le haut? Elles montent. Parce qu'elles montent vers Allah. Elles savent que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Naam. Ensuite, Coran 32, 5. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Subhanallah al-Azim. Vers lui monte quoi? La bonne parole et il élève haut la bonne action. Donc la Ta'ala a montré dans ce verset d'une clarté qui monte. Quand une personne dit par exemple le Coran monte. Non. Quand une personne fait une bonne action, la bonne action monte. C'est pour ça que vous vous rappelez que je vous ai dit plusieurs fois qu'il y avait un hadith par exemple qui dit que trois personnes, non, leur salat ne monte pas plus d'un empan au-dessus de leur tête. Non. Et la cité entre autres, la femme, l'épouse que le mari a appelé ne voulait pas. El Mohim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit ici? Ne monte pas, reste un empan au-dessus de sa tête. Donc c'est une preuve que normalement, la salat, les bonnes actions, devraient monter vers Allah, elles montent. Mais ces trois personnes-là ont fait des péchés qui empêchent que les bonnes actions montent vers Allah. Le verset où Allah Ta'ala dit ta'arujou l'malaikatu warruhu ilayh fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Naam. Ta'arujou l'malaikatu warruhu ilayh fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée et de 50 000 ans. Monte. Vous voyez qu'il y a la montée vers Allah Azza wa Jal. J'ajouterai aussi dans la montée, hein, ce n'est pas dans le livre, mais j'ajoute comme ça des choses. Le verset où Allah Ta'ala dit Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Ô Jésus, inni mutawaffik, je vais te faire dormir ou bien te faire mourir. D'après les divergences qu'il y a. Et si on prend de la vie qui dit mourir, c'est la petite mort. Car Jésus, alayhi salam, Isa, tout le monde sait qu'il est vivant. Et si quelqu'un dit que Isa est mort, celui-là est devenu kafir. Sauf s'il apprend le din. On lui dit attention,
Et Isa alayhi salam est vivant, il est au deuxième ciel, avec son ibn Khalatihi Yahya, Yahya alayhi salam. Attention, il est vivant, il va descendre ici et il va mourir, et les musulmans vont l'enterrer dans cette terre. Donc, que lui a dit Allah Ta'ala au Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Regardez, je t'élève vers moi, je te fais monter dans les cieux jusqu'à ce que tu arrives vers moi, subhanallah l'azim. Mais les Habesh sont têtus. Les Habesh disent non, Allah Ta'ala, on ne peut pas dire de lui qu'il est élevé, ni qu'il est au-dessus du trône. Sinon, on l'a mis dans un endroit. Naam. Ils ne peuvent pas dire que Allah Ta'ala est au-dessus du trône et rien ne lui ressemble. Allah Ta'ala est au-dessus du trône et il n'est pas dans un endroit. Ils ne peuvent pas dire ça. Non. S'il est au-dessus du trône, il est dans un endroit. Naam. Et c'est pour ça que je vous ai dit une fois que les Habesh, quand ils recrutent quelqu'un, ils font une nouvelle recrue, ils sont très contents, ils font du couscous, la shorba, le ham el hlou, la rishta, ils sont très contents. Il y a une nouvelle recrue qui a quitté Salaf pour devenir Habesh. On lui apprend le premier jour. On lui dit, attention, est-ce que tu sais que Ibn Taymiyyah est kafir? Ça, c'est la première des choses. Elle est au-dessus du trône, tu deviens Salafi. Et si tu deviens Salafi, tu deviens comme Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Salah al-Sheikh et les grands savants. Alors, ce sont nos grands ennemis. Nos grands ennemis, ce sont les grands savants. Alors, attention à ce que tu dises, Allah Ta'ala, au-dessus du trône. Naam. Que Allah Azza wa Jal leur brise leur dos. Ou les guide. Car s'il veut, il guide qui il veut. Il a guidé plus égaré qu'eux. Naam. Cinquièmement, on va donner le cite carrément qu'il est dans les cieux. Comme ça, carrément dans le Coran, qu'il est dans les cieux. Écoutez le verset qui va venir. Allah Ta'ala a dit, Aamintum bikumul arda fa idha hiya tamur, sourate al-mulk, verset 16. Ou à l'abri de celui qui est au ciel, hein, qu'il vous enfuisse. A dit, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfuisse en la terre? Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfuisse en la terre? Qui est au ciel? Et qui peut nous enfuir sous la terre? C'est Allah Azza wa Jalla parle de lui. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel? Vous remarquez, Allah Ta'ala, yani ici, sans aucune ambiguïté, il dit, il est au ciel. Les Habesh disent, non, Allah Ta'ala n'est pas au ciel. S'il est au ciel, on l'a mis dans un endroit. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ils connaissent l'islam mieux que Allah Azza wa Jalla et son prophète. Maintenant, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à la Sunna. Ce sont quelques versets du Coran. Maintenant, on va passer à quelques dalils, quelques preuves de la Sunna que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Tayyib. La Sunna elle-même, s'est diversifiée en attestant cela. Car, la Sunna renferme et contient des propos. C'est-à-dire que le messager d'Allah, des fois a parlé pour dire que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, et des fois il a fait des gestes pour dire et montrer que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, et des fois en approuvant ce que font les compagnons devant lui. Donc on a trois choses dans la Sunna, Inch'Allah. Premièrement dans la Sunna, les propos, ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que quand on se prosternait, qu'est-ce qu'on disait? Subhana rabbi al-a'la. Combien mon maître sublime et transcendant. Subhana rabbi al-a'la. Ensuite, écoutez le prochain hadith qui va venir. An Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مدك. Et à la fin du hadith, tout le monde connaît le hadith
je vous l'ai dit plusieurs fois, on a expliqué ça fait pas longtemps, le hadith où le messager d'Allah disait que Allah Azza wa Jal descendait chaque nuit dans le dernier tiers de la nuit. Et il disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une requête, je la lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait yani, faire la tawbah qu'on est? Donc que dit ce hadith? Que Allah Ta'ala descendait chaque nuit. Il descendait, comme ça il dit. Allah Ta'ala descend. Et eux ils disent non, c'est la miséricorde qui descend. Et d'autres disent, c'est pas lui qui descend, c'est l'ange qui descend. Naam. Alors que Allah Ta'ala dit, le messager a dit, c'est Allah Ta'ala qui descendait. Et si l'ange, c'était lui qui descendait, alors que ça va donner? Ça va donner que l'ange va faire la tauba et l'ange va pardonner aux gens et l'ange va donner les requêtes des gens et tout ça, ça induit à dire qu'il y a un deuxième Dieu. L'ange, cet ange est devenu un Dieu car il pardonne et il fait la tauba et il donne des requêtes aux gens et comme ci et comme ça. Non. Quant à la miséricorde, quant à ceux qui disent c'est la miséricorde qui descend, on leur dit vous avez déformé le hadith. Le hadith a dit c'est Allah qui descend. Ensuite, la miséricorde ne parle pas. Non, la miséricorde ne parle pas. Quand elle veut parler, Allah Ta'ala lui permet. Quand Allah Ta'ala, quand elle veut parler, il lui permet. Comme lorsqu'elle a dit que quiconque ne... qu'on dit. Quiconque ne rend les liens, rend avec lui. Naam. Et le deuxième hadith qui va venir. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u mra'atahu ila firashiha fata'ba alayhi illa kana alladhi fi as-sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Muslim 200. Naam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, une seconde, non. Le messager d'Allah, vous lisez avec moi, ceux qui connaissent l'arabe, walladhi nafsi biyadi, c'est-à-dire il a juré, par celui qui détient ma main, mamin rajulin yid'u mra'atahu ila firashihi, il n'y a pas un homme qui appelle sa femme au lit, non. Ensuite, il manque quelque chose, le hadith, je l'ai mis à l'envers. En arabe, il s'affiche à l'envers. Il a tiragé. Fata'ba, elle refuse. Elle refuse de lui. Illa kana alladhi fi samai sakhitan alayhi hatta tarda. Hatta yarda'na. Naam. Si jamais un homme demande son épouse au lit et elle refuse, celui qui est dans le ciel sera, naam, en colère contre elle jusqu'à que son mari soit satisfait d'elle. Donc, qui va être en colère d'elle? C'est Allah Ta'ala. Pourquoi il n'a pas dit Allah Ta'ala? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui est dans le ciel sera en colère d'elle. Pourquoi le messager d'Allah a choisi ça? Pourquoi il ne dit pas Allah? Pour qu'il te fasse apprendre, pour que tu ne sois pas un Habesh. Non, le messager d'Allah veut que tu ne sois pas un Habesh et que tu sois comme lui, de sa progéniture, et que tu dises et que tu reconnaisses que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux et qu'il est dans le ciel et que tu dises pas qu'il est partout. Naam. Regardez l'autre hadith, bien sûr, ce hadith que je viens de citer se trouve dans Muslim 2595. Écoutez l'autre hadith qui va arriver, l'autre hadith qui va venir bi'idhnillahi azza wa jal. D'ailleurs, je vais d'abord, peut-être que le Rouraba ne l'a pas, je vais d'abord le call, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, je vais vous le lire. Taïb.
Regardez ce hadith. Naam. Je vais mettre 1968. Naam. Hadith numéro 1968. Je crois que le hadith ne s'est pas collé. Wallahu alam. Je crois que le hadith ne s'est pas collé parce qu'il est long. طيب, je vais le diviser, inshallah ta'ala, avant de le lire. Voilà, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Non, c'est pas celui-là, le Ghuraba. C'est pas celui-là. Tu es en retard, le Ghuraba. Bon, ça fait longtemps que j'ai expliqué ce hadith. Al-Muhim. Regardez, je vais vous le coller. طيب الحديث هذه إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قال أخرجي أيتها النفس الطيبة أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب le message de Allah صلى الله عليه وسلم dit dans ce hadith authentique qui se trouve dans le jami' de Suyuti rahimahullah et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' que le mort, lorsque l'ange de la mort va venir pour lui prendre son âme, si ce mort était un vertueux, quelqu'un de pieux, alors l'ange de la mort dira « ô âme, yani, tayyiba, ô âme vertueuse, si je puis dire, ô âme, toi qui étais bien, alors il lui dit « sors ». Sors de ce du bien. Sors. Ukhruji hamida. Naam. Wa abshiri. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Bi rouh wa rayhan et des parfums, etc. Wa rab ghayr ghadban. Et un seigneur qui n'est pas en colère contre toi. Où est le témoin du dars? Il a dit. Fala yazalu yuqalu laha dhalik. Hatta takhruja. Thumma yu'araju bihi lassamai. فيستفتح لها فيقال من هذا فيقول فلان فيقول مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخل يا حبيبي وشيخ فسويت الادي فلا يزال يقال له ذلك حتى ينتهي بها الى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى il a dit donc lorsque l'ange va lui prendre son âme et que il va la faire monter de ciel en ciel de ciel premier ciel et les gens les anges vont yani ensuite le messager d'Allah a dit voilà le témoin il a dit jusqu'à ce qu'ils arrivent les anges qui ont l'âme qui sont en train de monter dans les cieux ciel après ciel il a dit jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel où il y a Allah tabaraka wa ta'ala vous avez entendu jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel où il y a Allah tabaraka wa ta'ala نعم الحمد لله العظيم أدخل حديث المساجي الله صلى الله عليه وسلم أدي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء رواه البخاري ومسلم المساجي الله صلى الله عليه وسلم أدي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء صدير المساجي الله صلى الله عليه وسلم أدي سي Est-ce que vous, si je puis dire, vous ne faites pas confiance? Est-ce que ça rentre, je ne sais pas exactement comment on dit ça en français, mais ça rentre un peu dans la confiance. C'est-à-dire que celui qui est dans les cieux, il a dit, celui qui est dans les cieux, naam, me fait confiance. C'est-à-dire qu'il m'a a fait descendre le message sur mon cœur pour que je vous le transmette et il sait que je ne le déforme pas ne le falsifie pas donc comment vous ne me faites pas confiance alors que celui qui est dans le ciel me fait confiance que n'ayez-vous pas confiance en moi alors que je jouis de la confiance de celui qui est au ciel pourquoi il n'a pas dit alors que je jouis de la confiance de celui je jouis de la confiance d'Allah pourquoi il a préféré dire je jouis de la confiance de celui qui est au ciel Non, pour qu'il t'apprenne. Le messager de là, il t'apprend
si tu veux le suivre et dire comme lui, que tu dises que Allah Ta'ala se trouve où? Au ciel. Naam, au-dessus des cieux. Ensuite, il y a le hadith qui est très connu, qui se trouve dans Sunan Abi Daoud 4290, Sunan Tirmidhi 1847, Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani 3522, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fil sama. Je répète, fil ardi yarhamkum man fil sama. Le messager d'Allah a dit: ceux qui font la miséricorde aux gens et leur pardonnent, hein, ceux-là, Ar-Rahman Azza wa Jal, le tout miséricordieux, hein, leur fera à eux sa miséricorde. Ensuite, il a dit: Irhamu man fil ard, soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur la terre. Yarhamkum man fil sama, alors celui qui est dans le ciel sera miséricordieux avec vous. Subhanallah al-Azim. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont avec vous dans la terre, sur la terre. Alors, si vous le faites pour comme récompense, celui qui est dans le ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera miséricordieux envers vous. Naam. Tayyib, regardez notre hadith qui va suivre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. نعم, se trouve dans le livre de Suyuti al-Jami'. نعم, et Cheikh Al-Albani Allah yirhamu a dit, hadith authentique numéro 118 dans Sahih al-Jami'. Qu'est-ce qu'il a dit? اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. يعني craignez la doua de la personne à laquelle on a fait du tort. La personne qu'on a lésée, il faut avoir peur d'elle. Il faut avoir peur d'elle. Craignez, il a dit, craignez ses douas. Pourquoi? Il a dit parce que sa doua va monter vers le ciel. Elle va monter comme une étincelle. Vous voyez, quelqu'un quand il fait une étincelle, comment qu'elle monte comme ça, yani vers le ciel. Naam, il a dit la même chose. Quand ça va monter comme quoi? Ça va monter comme une étincelle. Vers où? Vers le ciel. Pourquoi la doua hadi va monter vers le ciel? Pourquoi elle ne va pas ni à droite ni à gauche, ni elle va se jeter dans la mer? Pourquoi elle va monter vers le ciel? Parce qu'elle sait qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux et qu'il attend cette doua pour l'exaucer. Et qu'il attend là-bas cette doua pour l'exaucer. Naam. Maintenant on passe à Inch'Allah Ta'ala. On a dit la sunnah, on était en train de parler de la sunnah, les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans la sunnah petit b, l'acte. Naam. Les actes qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour nous apprendre que Allah Ta'ala le Tout-Puissant se trouve dans les cieux, au-dessus des cieux. Naam. Par exemple quoi? Par exemple comme le fait de pointer le doigt vers le ciel. Comme le fait de pointer l'index vers le ciel, comme l'a fait le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, fi khutbatihi al-ma'rufa, na'am, khutbat al-wada, lorsqu'il a harangué la foule dans le plus grand rassemblement qui eut à Arafat, lors du pèlerinage d'adieu. Ensuite, il a dit: ai-je bien transmis? Ils ont dit oui. Ensuite, il a dit: ai-je bien transmis? Ils ont dit oui. Il a répété: ai-je bien transmis? Ils ont dit oui. Naam. Et qu'est-ce qu'il faisait en même temps? En même temps, il pointait son doigt vers le ciel, puis vers les gens. Il a dit: oh mon Seigneur, témoigne. Naam. Lorsqu'ils ont dit oui deux fois qu'il avait bien transmis, il leva son doigt vers le ciel et le fit descendre comme ça vers les gens. Il le pointa vers les gens en disant: ô mon Seigneur, témoigne. C'est-à-dire: ô mon Seigneur, toi qui es vers le haut, témoigne, naam, de cela qu'ils ont dit de moi que j'ai transmis. Ils ont dit de moi que j'ai transmis. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il levait son doigt, alayhi salatu wasalam, il levait son beau doigt vers le ciel. Il disait: ô Seigneur, c'est-à-dire toi qui es dans le ciel, témoigne.
témoigne de cela, de ce qu'ils ont dit de moi. Donc, ça, c'est pas la peine de vous dire le hadith s'il est authentique ou pas. Tout le monde sait qu'il se trouve dans Bukhari, Muslim et les autres. Non. Troisièmement, le messager d'Allah, donc, a dit que Allah est au-dessus des cieux. A montré avec son doigt que Allah est au-dessus des cieux. Et maintenant, nous allons montrer que le messager d'Allah a approuvé aussi. A approuvé des gens qui ont dit que Allah est au-dessus des cieux. Il s'agit de l'histoire très connue de Muawiyah ibn al-Hakim Sulami, radiallahu ta'ala anhu. Muawiyah ibn al-Hakim Sulami, radiallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il avait celui-là? Il avait une esclave. Et un jour, cette esclave, pendant qu'elle était distraite, il y a un loup qui a dévoré, une brebis ou un mouton. Alors lui, quand il a appris cela, il s'est énervé et il l'a giflé. Il l'a giflé. En islam, quand on gifle un esclave, on doit la franchir. Maintenant, il voulait savoir si elle était croyante ou pas, car on doit franchir une esclave croyante. Donc, il est parti chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a raconté l'histoire. Maintenant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, veut la tester si c'est une croyante ou pas. Ou pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, où est Allah? Elle a répondu, dans le ciel. Il lui a dit alors, qui suis-je? Elle a répondu, le messager d'Allah. Il a dit alors à Muawiyah, affranchis-la, car c'est une croyante. Affranchis-la, car c'est une croyante. Donc, le messager d'Allah, s'est basé sur sa réponse, quand elle a su que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, pour dire d'elle que c'était une croyante. Et aussi quand elle a ajouté qu'elle a reconnu que c'était son messager. C'est pour ça que les savants ont dit quoi? On dit que quiconque reconnaît que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, celui-là, il a une aqida muhammadiyya, comme celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Moussaouya, comme celle de Moussa alayhi salam. On va voir pourquoi comme celle de Moussa. Naam. Et cet esclave qui était analphabète, comme la plupart des esclaves femelles, elle était en plus dans la servitude. Donc elle était privée de sa liberté. Ni ne pouvait aller ni à l'école, ni à la faculté. Pourtant, elle a su que son Seigneur était au ciel. Ce que les égarés parmi les fils d'Adam, comme les Habèches, contestent cela en disant que Allah Ta'ala n'est ni au-dessus, ni au-dessous, ni à droite, ni à gauche. Pire que cela, ils disent il est partout. Il est partout. Dans les toilettes, dans les souks, dans les cabarets, donc il est partout. Allah Azza wa Jal, que Allah Azza wa Jal punisse cela, que Allah Azza wa Jal punisse celui qui dit que Allah Ta'ala est partout et qu'il n'est pas au-dessus du ciel, comme il s'est dit lui-même cela. Naam. Donc vous voyez que une analphabète bergère privée de la liberté a su, masha'Allah Ta'ala, que son Seigneur était au-dessus des cieux. Pourquoi? Elle avait son cœur, elle avait un cœur lumineux et luminant. Naam. Il n'y a pas de souillure, ni de ténèbres, ni d'obscurité. Et maintenant vous trouvez des gens qui ont soi-disant des doctorats dans le dîn. Il te dit, j'ai un doctorat de la Sorbonne, j'ai un doctorat de l'Azhar. Masha'Allah, toi tu es l'Azhar, Masha'Allah, il a sauvé, non? Bah, tu es un grand savant, toi, Masha'Allah. Naam. Et alors, où est Allah? Il te dit, attention, faut pas dire où est Allah. Mais attention, j'ai un doctorat de l'Azhar et la Sorbonne, non? Je suis un Habèche, attention, faut pas dire où est Allah, c'est interdit. Ah bon, c'est interdit? Naam, c'est interdit. Si tu dis où est Allah, tu l'as mis dans un endroit. Où est Allah? Où est la voiture? Où est le bus? Où est ma montre? Où est mon khamis? Tout ça suppose des endroits. Allah Ta'ala, c'est le transcendant.
il n'a pas d'endroit. Il ne faut pas dire où est Allah. Donc la bergère est plus savante que ses soi-disant, ses pseudo-savants. Cette bergère est plus savante qu'eux. Pourquoi ? Parce que son cœur n'a pas été souillé. Son cœur est resté propre, masha'Allah. Il n'a pas été souillé. Par le habachisme. Naam. Troisièmement, après Allah et après son messager a dit que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Qui, après Allah et après son messager, a dit que Allah est au-dessus des cieux? Car peut-être que nous on n'a pas compris ce qu'a dit Allah et son messager. Ça, nous on n'a pas compris. Alors, ce qui va nous différencier des sectes égarées, c'est que nous, on va essayer de comprendre d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, des sahaba, des tabi'in et tabi'in. Alors, je vous annonce la bonne nouvelle, il y a un consensus. Vous savez que ça veut dire un consensus? Ça s'appelle en arabe l'ijma'. Ijma', ijma', sahaba, ijma'. Si tu dis que c'est pas vrai, tu deviens kafir. Ijma', naam, des sahaba, des tabi'in, des savants. Que quoi? Que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Naam. Qui a cité cet ijma'? Lisez un livre qui s'appelle Ulu al-Ali al-Ghaffar. Naam, Ulu al-Ulu, qui s'appelle comme ça le livre. L'élevation. Ulu al-Ali al-Ghaffar. L'élevation. Naam. Ulu al-Ali. L'élevation d'Allah Azza wa Jal. Naam. Ulu al-Ali al-Ghaffar. Naam. L'élevation du Très-Haut al-Ghaffar. Allah Azza wa Jal. Vous savez qui a écrit ce livre? Qui s'appelle Imam Zahabi Rahimahullah. Et maintenant, j'espère que vous l'aurez compris. Naam, c'est pour cela que les Habashes disent que Zahabi, c'est un khabith. Zahabi, c'est un khabith. Les Habashes disent Zahabi, c'est qui? C'est un khabith. Ibn Taymiyyah, c'est un kafir. Et Zahabi, c'est un khabith. Ya Allah, pourquoi Zahabi, c'est un khabith? Ou plutôt, posons la question aux moutons des Habash. On les appelle l'Ahbash et on les appelle l'Akbash. L'Akbash, c'est des moutons. Et c'est comme ça les savants disent. On va poser la question aux moutons. Pourquoi vous, les moutons, vous dites de Zahabi, le grand savant qui est un khabith? Ils vont te dire comme ça entre eux, hein. Mais ils vont pas te le dire à toi. Entre eux, ils disent, on dit de lui, c'est un khabith. Parce qu'il a écrit un livre, Allahu Akbar, il a écrit un livre où il a ramené tous les délits de ce qu'ont dit les sahaba, leurs enfants et les grands ulama que Allah Ta'ala était au-dessus des cieux. Naam, si vous lisez ce livre, il te dit ce qu'a dit Imam Malik, ce qu'a dit Abu Hanifa, ce qu'ont dit les sahaba, ce qu'a dit Abdullah ibn Omar, ce qu'a dit, il n'a laissé personne. Que quoi? Que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Alors, est-ce que les moutons, est-ce qu'ils peuvent maintenant, par exemple, déchirer ce livre pareil? Ils peuvent pas. Ils se vendent partout. En Amérique, en France, en Australie. Ils se trouvent partout. Allah Ta'ala l'a propagé. Alors, il ne reste que quoi? On va essayer de dire de lui que c'est un khabith. Comme ça, personne ne va le suivre. Naam. Quand vous lisez ce livre, akhlas, il ne vous reste pas un brin de doute que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. D'ailleurs, le livre lui-même, il l'appelle l'élévation appartient à l'auguste, le pardonneur. Il dakhal qui Allah a dit, son messager a dit, et les compagnons ont dit, leurs enfants ont dit, et les savants ont dit. Allahu Akbar. Donc, pour eux, le fait qu'ils disent, pour les moutons, les habèches, quand ils disent que Zahabi c'est un khabith, moi je dis, pour eux, c'est peu. Ils devraient dire c'est un shaitan. Naam. Pourquoi? Allah, yani. C'est une bombe atomique qu'il a construite. Une bombe atomique, naam, contre les Habash. Une bombe atomique. Plus qu'une bombe atomique. C'est pour ça que, alors nous pouvons déchirer le livre, nous pouvons le perdre, le cacher, le brûler. Alors on dit, c'est un khabith pour essayer de faire fuir les gens de lui. Et nous on dit, Ya Allah Azza wa Jal,
ارحم ارحم الذهبي وافسح له في قبره وادخله جنتك، نعم، واجعله في عليين وارضى عنه يا رب العالمين، وقيه عذاب جهنم. نشهد له بالعلم والتقوى، نشهد له يا رب العالمين. نحن شهداءك في الأرض. سي توا كي هادي الله كو، نعم، لي زونج سيتي لي سيتي لي شهداء سيتي لي تيموا دون لو سيتيال اي نو سي لي تيموا دون لا تير. نو اون تيموان الامام الذهبي رحمه الله بار ابور دي ريكونبونس افيك سو تيموانياج باذن الله عز وجل. طيب quatrièmement, il reste quatrièmement et cinquièmement, c'est tout. Quatrièmement, c'est l'argument rationnel, la raison. Comment cela? Où est le délit de la raison? Nous disons que l'élévation est un attribut de la perfection. Naam. Et que chaque attribut de perfection doit d'abord appartenir. C'est un attribut de perfection ou bien c'est le contraire? Non, c'est un attribut de perfection. Non. Tout ce qui est bas n'est pas bien. Tout ce qui est haut, c'est mieux. D'ailleurs, dans le paradis, comment seront les gens? Plus tu montes, plus c'est mieux. Plus ton palais se trouve dans le plus haut, plus c'est mieux. Allah Ta'ala t'a donné mieux que celui qui est plus bas que toi. Et plus tu descends en enfer, plus c'est pire. Naam. Donc l'élévation, c'est quoi? C'est un attribut de perfection. Donc, par raisonnement, je dois dire que Allah Ta'ala se trouve dans l'élévation. Par raisonnement, je dois dire quoi? Que Allah Ta'ala se trouve dans l'élévation. Naam. Et enfin, cinquièmement, l'argument empirique, al-fitra. L'argument empirique, al-fitra. C'est un argument incontestable et irrécusable. Car vous avez remarqué que tout être humain, a la conscience innée qu'Allah Azza wa Jal est au ciel. C'est pourquoi, quand vous êtes surpris par une chose que vous ne pouvez pas repousser, et que vous vous adressez à Allah pour l'écarter, alors votre cœur se tourne instinctivement, sans le vouloir, vers le ciel et non vers une autre direction. Ce qui est surtout étonnant, c'est que même ceux qui contestent que Allah Ta'ala est dans l'élévation, lèvent leurs mains vers le ciel quand ils prient. Subhanallah al-Azim. Naam. Vous avez remarqué? C'est une chose que Allah Ta'ala nous a mis dans le cadeau qui va venir ou que tu veux l'écarter de toi. Naam, tu sens ton cœur qui monte vers le ciel, qui se dirige vers le ciel quand tu vas commencer à faire les doigts ou là. Quoique la sunna, c'est de faire les doigts vers la qibla. La sunna, c'est de faire la doua vers la qibla. Mais tu peux pas empêcher ton cœur qui veut, yani, monter vers son Seigneur. Vers son Seigneur, naam. Il veut se rapprocher de lui. Mais toi, tu baisses les mains, yani, tu les mets en face de toi, et tu fais des doigts vers la qibla, et non vers le ciel. Mais personne ne peut enlever de toi la montée de ton cœur. Ton cœur veut faire une ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il sait que son Seigneur qu'il a créé est au-dessus des cieux. Naam. D'ailleurs, même Pharaon, bien qu'ennemi d'Allah, a dit à Haroun, dispute avec Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Haman, il lui a dit, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux. Et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Et je le crois menteur. Waqala Firaun, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugh al-asbab as-samawat fa atali'a ila Musa wa inni la dhunnu kadiban. Naam. Pourquoi Firaun a dit comme ça? Pourquoi Firaun a demandé à Haman de lui bâtir une tour? Naam. Il voulait monter dans les cieux et voir. Naam, si ce que disait Moussa était vrai. Donc Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'a dit Moussa à Pharaon? Les cieux. Alors là, Pharaon s'est énervé, il est devenu en colère, il a
perdu la raison, il a demandé à Haman de lui bâtir une tour pour essayer de montrer dans les voies et les cieux et voir s'il y a ce Dieu dont parle Moïse. Ensuite, il a dit non, c'est un menteur. Donc c'est une preuve que quoi? C'est une preuve que Moussa alayhi salam lui a fait la da'wa. Quand il faisait la da'wa à Pharaon, il lui a dit, moi mon Seigneur est dans les cieux. Et l'autre, il s'est énervé. Pourquoi? Il a fait comme les Habesh. Car les Habesh, ce sont la descendance de Pharaon. Ce sont la descendance du Pharaon en ce qui concerne les attributs. Ils disent que Allah n'est pas dans les cieux. Donc, il s'est énervé. C'est pour ça que les savants ont dit, quiconque dit que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, il a une aqida muhammadiyya de Muhammad, naam, Moussaouya de Moussa alayhi salam aussi. Car Moussa a dit à Pharaon, mon Seigneur est au-dessus des cieux. Et quiconque dit que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux, celui-là a une aqida pharaoniyya, a une aqida pharaonique. Les Habesh sont ou la ont une aqida pharaonique de Pharaon, Pharaon, qui dit que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux. Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux. Ensuite, pour terminer, j'ajouterai deux choses très importantes que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas dans les livres. Je ne sais pas pourquoi ils ne citent pas ces deux choses qui sont très importantes. Et ce sont aussi des dalils pour vous. Vous les apprenez comme ça, quand vous discutez avec les Habash et les autres gens, vous leur apprenez le din, vous avez des dalils. Vous ne parlez pas comme ça dans le vide, non, comme des moutons. Non, des moutons qui avalent. Les Habash, des moutons qui avalent quoi? Qui avalent l'herbe, sans le brouter. Mais nous, on parle avec le dalil, inshallah ta'ala. Écoutez, ce dalil me plaît beaucoup. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans les premiers temps de l'islam, faisait la prière vers le Quds, vers Palestine. Naam. Et vous savez qu'il a fait ça au moins 6 mois ou 8 mois. Et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, naam, ou plus, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas faire la même chose que les juifs, n'aime pas faire la même chose que les juifs et les chrétiens. Il veut toujours quoi? Toujours se différencier d'eux. Alors qu'en est-il dans la salat, qu'en est-il dans la même qibla? Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il n'a pas demandé à Allah Ta'ala de changer la qibla. Mais quand il marchait dans la rue, il levait comme ça le visage vers le ciel. En demandant dans le cœur, en se disant, peut-être que Allah Ta'ala va me faire changer de qibla. Alors il n'arrêtait pas quoi? De tourner son visage vers le ciel. Alors Allah Ta'ala a fait descendre un verset dans sourate Al-Baqarah 144. Où Allah Ta'ala lui dit, قَدْ نَارَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ الشَّطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Allah Ta'ala lui a dit, certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous allons te faire orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Allahu Akbar. Wallahi, ce verset me plaît beaucoup en ce qui concerne l'élévation d'Allah Azza wa Jalla. Vous avez remarqué que le messager d'Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'arrêtait pas de tourner son visage tous les sens, en tous sens, dans le ciel. Attendez, attention. Ni à droite, ni à gauche, ni vers le sud, ni vers le nord. Dans le ciel. Il voit en haut, il descend. Il regarde le ciel, il descend, il rabaisse les yeux, et comme ça. Allah Ta'ala lui a dit, nous te voyons tourner ton visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Allahu Akbar. Pourquoi le messager d'Allah tournait son visage vers le ciel? Pourquoi il ne regardait pas la Qibla? Ou là, pourquoi il ne regardait pas le nord? Pourquoi il ne regardait pas les montagnes? Pourquoi il ne regardait pas les arbres? Pourquoi il se dirigeait vers le ciel? C'est de là-bas qu'il attendait. Il attendait la descente. Allah Ta'ala fasse descendre Jibril du ciel. Déjà même Jibril descend des cieux. Naam. Là, il regarde comme ça dans le ciel. Peut-être je vais voir maintenant Jibril avec ses belles ailes, 600 ailes ou plus. Naam. En train de descendre. Allahu Akbar. Naam. Ça c'est le premier dalil qui me plaît beaucoup, qui je trouve pas dans le livre. Dalil irrécusable. Ce dalil, un fou, il peut pas dire non, je ne le prends pas. Un fou, il va dire oui, j'accepte. Naam. Sauf qui n'accepte pas, sauf le Habesh. Pourquoi? Le cœur est scellé, c'est trop tard. Le cœur
C'est un rocher à l'intérieur, il n'a pas de cœur. Si tu le prends chez le spécialiste, le cardiologue, il va trouver que subhanallah, il n'a pas de cœur. Ni veine, ni sang à l'intérieur, ni artère, ni aorte, ni rien. Il y a un caillou à l'intérieur, comment cette personne vivait? Allahu Akbar. Et le moi, c'est quoi ce dalil? Le dalil que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait l'ascension vers Allah. Jibril alayhi salam est venu avec un animal un peu plus haut, plus grand que l'âne, un peu plus petit que. Ils sont montés dessus et hein, ils sont partis vers Palestine. Ensuite, ils sont montés vers Allah Azzawajal, l'ascension ils ont fait jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha. J'ai oublié comment on dit ça en français. Je connaissais le mot, j'ai oublié. Sidrat al-Muntaha. L'arbre, attendez, le jujubier de, disons, de la fin, ou khlas. Personne ne peut le dépasser. Et là-bas, le lotus, nam. Et là-bas, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé, lui a ordonné de faire 50 salats, et ensuite, à force de revenir, lui demander d'alléger un peu, d'après comment on dit, d'après les de Moussa alayhi salam, alors il est revenu vers lui plusieurs fois jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala a allégé la prière, elle est devenue 5. El-Mohim, c'est quoi ici le plus important? Le messager d'Allah a fait l'ascension. Il est monté vers Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire il n'est pas monté? Il n'y a pas, sauf les Habesh qui disent il n'est pas monté. Il n'est pas monté. Car Allah Ta'ala n'a pas d'endroit. Non, c'est un rêve, peut-être c'est un rêve, c'est tout. Allah Ta'ala n'est pas monté. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pour ceux qui dévient les gens. Pour ceux qui dévient les gens du dîn. Maintenant, pour terminer, c'est tout. Je vais ajouter deux ou trois choses. Pour terminer, deux ou trois choses, Inch'Allah Ta'ala. Deux ou trois choses, Inch'Allah Ta'ala. Non. Les moutons disent que nous, on suit Abu Hanifa. Les moutons, les Habesh, disent que nous, on suit Abu Hanifa. Et donc, d'après eux, Abu Hanifa dit qu'Allah Ta'ala est partout. Alors, écoutez ce que dit Abu Hanifa dans son livre, Al-Fiqh al-Absat, page 46. Dans le livre, Al-Fiqh al-Absat, page 46. Al-Fiqh al-Akbar, Al-Fiqh al-Asghar, Al-Fiqh al-Absat, page 46. Men qala, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il parle? C'est Abu Hanifa, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit? Men qala, quiconque dit, لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. Quiconque dit, je ne sais pas si mon Seigneur est dans les cieux ou bien sur la terre, est devenu kafir. Qui a dit ça? Al-Imam Abu Hanifa al-Nu'man. Al-Imam Abu Hanifa al-Nu'man. Dans son livre Al-Fiqh al-Absat, page 46. Quiconque dit, je ne sais pas si mon Seigneur est dans les cieux ou bien sur la terre, faqad kafar, il est devenu kafir. Wa kaza, et aussi, man qala innahu ala al-arsh, wa la adri al-arshu a fi samai am fi al-ard. Et aussi, Abu Hanifa dit Allah yarhamuh, est aussi devenu kafir. Quiconque dit, Allah Ta'ala est au-dessus du trône, mais je ne sais pas le trône, s'il est au-dessus des cieux ou bien sur la terre. Donc, si les Habesh reconnaissaient qu'Allah Ta'ala était au-dessus des cieux, pardon, au-dessus du trône, ce qui est chose impossible pour eux, ça l'aurait pas, ça ne les aurait pas épargnés de la sentence de Abu Hanifa. Parce qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même quelqu'un, si quelqu'un dit qu'il est au-dessus des cieux, pardon, il est au-dessus du trône, mais je ne sais pas seulement le trône où il est. Dans les cieux ou dans la terre. Il a dit il est kafir. Allahu Akbar. Si on prenait de ce qu'a dit Abu Hanifa, Abu Hanifa a dit les Habesh sont des kuffars. Si on prenait de lui, hein, mais nous, qu'est-ce qu'on dit?
On dit ce sont des moutons qui sont en train de brouter de l'herbe comme ça, n'am, et ils avalent comme ça sans dédit. N'am. Si on dit ce sont des kafirs, on dit des pseudo-savants, de ceux qui se disent nous sommes des savants dans cette secte, comme l'Harari et les autres. N'am. Si on disait. Sinon, les autres ont dit ce sont des moutons qui ont été égarés, peut-être qu'un jour ils reviendraient vers le vrai, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, écoutez, autre chose. Ça, c'est Abu Hanifa al-Ahmar. Écoutez maintenant ce que dit Abu Hassan al-Ash'ari. Ils disent que nous, on est des Ash'arites. Masha'Allah, on est des Ash'arites. Ash'arites. Oui, tu vas voir, je vais te montrer moi Ash'arites. Tu es Ash'ari toi. Si tu étais Ash'ari, ça t'aurait pas épargné l'enfer. Non, car vous ne suivez pas le vrai Ash'ari. Regardez que dit Ash'ari, rahimahullah, Ash'ari, dans son livre, non, Maqalat Islamiyin, page 71, 71, 72. أن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. Vous avez entendu? Page 71, Maqalat Islamiyin, Abu Hassan al-Ash'ari. Allah Azza wa Jal se trouve au-dessus du trône. Comme il a dit dans le Coran, Ar-Rahman s'est établi sur le trône. Ah, vous écoutez, vous, les pseudo-Habash, les pseudo-Ash'arites, hein? Vous avez entendu ce qu'a dit Abu Hassan al-Ash'ari? Vous l'avez entendu? Page 71, Maqalat Islamiyin, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ala arshi, sur son trône. Comme il a dit dans le Coran, Rahman wa ala arshi istawa. Ah, des moutons, vous entendez? Vous qui dites que Allah ta'ala n'a pas deux mains qui lui conviennent. Écoutez ce qu'il dit ici, page 71. Wa anna lahu yadayn bila kayf. Et il a deux mains qui lui conviennent, sans comment. Car il a dit, khalaqtu bi yaday. Comme il a dit, bel yadah mabsoutatan. Et il a deux yeux bila kayf. Wa anna lahu aynayn bila kayf. Comme il a dit, tajribi ayunina, voguons sous nos yeux. Wa anna lahu wajhan. Vous les moutons, vous dites que Allah ta'ala n'a pas de visage. La visage c'est la souveraineté. Naam. Écoutez, il dit, wa anna Allah ta'ala lahu wajha. Page 71, Maqalat Islamiyin. Comme il a dit dans le Coran, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. Donc vous avez vu et entendu que les Habèches c'est mensonge sur mensonge. Mensonge sur Abu Hanifa. Mensonge sur Abu Hassan al-Ash'ari. Mensonge sur les Sahaba. Mensonge sur le messager d'Allah. Mensonge sur le Coran. Ils disent le Coran c'est pas la parole d'Allah, c'est la parole de Jibril. Mensonge sur mensonge. Ténèbres sur ténèbres, égarement sur égarement. Comme a dit Allah Ta'ala dans Sourate An-Nur. Comment commence le verset? C'est pas celui-là. Quand je suis ça un peu. Non, je trouve pas les versets, je trouve pas que non que quand on quand on charge moi la cherquette on la il y a quelques zeitou ayou non 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 أو كظلمات نعم أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج ظلمات بعض وفوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سبحان الله العظيم ظلمات دي تينابر أو تسي دو تينابر تينابر سوغ تينابر نعم سبحان الله العظيم الله عز وجل نو غيد الله عز وجل نو غيد الله عز وجل نو غيد إن نو زابخين لا عقيدة إن نو زابخين لا عقيدة دي سلف لا عقيدة du Coran, la aqida du messager d'Allah, la aqida de l'imam Malik, imam Malik, Malik, quand quelqu'un lui a dit Ar-Rahman al-Astawa, il lui a dit Ar-Rahman s'est établi sur le trône. C'est quoi? C'est comment ça? Il a dit Al-Istiwa ou Ghayru Majhoul. Naam, il a dit l'établissement est connu, il n'est pas inconnu. Naam, ou Al-Kayf ou Ghayru Ma'koul. Et la façon d'être établi n'est pas concevable. Comment qu'il s'est établi? Allah ne me demande jamais comment. Il a dit l'iman bi wajib, tu es obligé, il a dit, tu es obligé de croire que Rahman ala al-Arsh stawa. Naam. Et je vois que tu es une personne de la bid'a, expulsez-le de chez moi. Et il en fait sortir de l'assise où il y avait l'imam Malik rahimahullah. Donc l'imam Malik, si de nos jours vivait, naam, il aurait expulsé tous les Habèches, il aurait fait une fatwa de les expulser du pays. On les expulse, ils vont vivre en Amazonie là-bas. Non, en Amazonie là-bas, ils disent aux crocodiles,
et aux chimpanzés. Il leur dit, Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux. Et même les crocodiles et les chimpanzés, les problèmes, ils font des doigts en levant les yeux vers le ciel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de prendre justice. Donc, dans 10 minutes pour que je réponde à vos questions qui, j'espère de vous, qu'elles seront dans la haqq. Permet pas que les questions soient dans le divorce et le mariage quand on parle de aqidah, inshallah ta'ala. Vous laissez les questions de divorce et mariage et khula, on les laisse, inshallah ta'ala, dans les autres cours et jeudi ou vendredi dans les questions-réponses, inshallah ta'ala. Subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mettez le cours, inshallah ta'ala, je reviens dans 10 minutes.